Salut tout le monde. On va arrêter les mensonges, hein, parce que j'ai pas une gastro, j'ai pas une grippe depuis 2 semaines et j'en aurai pas encore une cette semaine. La vérité, c'est que je suis dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas de maladie psychiatrique et même si c'était le cas, j'en aurais pas honte. Déjà, je vais vous dire, c'est pas à cause de moi. Même si vous me traitez de folle, j'en ai rien à foutre. Vous m'avez traité de bi, vous m'avez traité de lesbienne. Moi, j'ai surmonté tout ça. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes personnels, familiaux, quand j'étais très jeune. J'en ai souffert. Puis j'ai voulu perdre du poids pour ressembler au mannequin et tout le reste. J'ai fait d'anorexie, j'ai perdu 10 kilos. Bravo, 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 merci. C'est pas le bon truc. Puis j'ai fait de la boulimie, j'ai pris 6 kilos. Puis j'ai fait de l'anolimie, ce qui est la boulimie et l'anorexie. J'ai reperdu les 6 kilos. J'ai gardé un poids quasiment normal. Enfin, après, c'est la vie des autres, hein, parce qu'il y en a qui me disent que je suis grosse. Hein, mais vous savez quoi? Je vous emmerde. Maintenant, je vous emmerde. J'ai pris le courage de vous le dire. Je me suis scarifiée à cause de vous. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je ne vise personne. Je dis juste que la mentalité de l'IOT ou de la mission au Maroc, en tout cas la mentalité de la plupart des personnes, parce qu'il y a des personnes très gentilles, je suis tombée sur une bonne classe cette année, mais il y a eu des personnes, c'était vraiment des connards. On s'est foutu de ma gueule, parce qu'à cause de mes scarifications l'année dernière, et j'ai pas honte de dire que j'ai fait des TS. Oui, je suis à ma 6e TS. Et vous savez quoi? Une TS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tentative de suicide. J'ai encore mon bandage, oui, je l'assume totalement. Et je veux pas des courage, bonne continuation, oh, elle fait ça parce qu'elle fait pitié et tout le reste. Juste que vous vous en rendez compte qu'il n'y a pas que moi qui souffre à l'IOT. Il y a plein de gens, tellement de personnes. La bisexualité, c'est normal. L'homosexualité, c'est normal. Il y a des filles qui veulent ressembler à des mannequins. Il y a des filles qui veulent ressembler à des mannequins. Il y en a plein à l'IOT comme ça. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas le bon truc. La boulimie, c'est pareil. D'accord, je fume. Vous me prenez pour une droguée? Vous me prenez pour une droguée juste parce que je traîne à Bouguin, c'est ça? Allez-y, mais insultez-moi. Les insultes, ça me passe là maintenant. Donc, je vous emmerde tous. Laissez-moi vivre ma vie. À cause de vous, j'ai fini dans un hôpital psychiatrique, ok? Je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que c'est très. C'est assez angoissant. Donc apprenez un truc, à respecter les gens, même si vous les aimez pas. Parce que on est tous humains, on est 7 milliards, on n'est pas là juste de passage. On est là pour jouer un rôle, d'accord? Et si j'ai envie de me. Même si je finis à la rue, ou même si je finis championne du monde, n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vis ma vie au jour le moment et je vais plus faire de conneries à cause de connards ou de salopes comme vous. D'accord? J'espère que c'est bien compris et aimez-vous et bonne soirée.